Ce matin, j'ai réuni toute l'équipe. Je veux qu'on établisse un plan d'attaque pour l'aquarium qu'ATM doit construire pour le DJ superstar Steve Aoki. C'est qui ? C'est un des meilleurs DJ de la planète. Il voyage partout dans le monde. Partout. Pour jouer dans des clubs. Moi aussi, j'allais dans des clubs quand j'étais jeune. Je me souviens avoir vu Chubby Checker, on dansait le twist. Chubby Checker ? C'est sûrement... Ok, et si on commençait la réunion ? Où est Brett ? On a tellement de boulot en ce moment que Brett est allé parler à un client pour un autre projet. C'est pour ça qu'il n'est pas là. Steve a un bar fait sur mesure dans sa pièce. Et sur ce bar, il a un motif fabuleux qui symbolise la chance. Il veut qu'on se serve de ce motif pour le socle et pour le couvercle de l'aquarium. Il faut que ce soit exactement le même que celui du bar. Et quel thème on a pour l'intérieur ? Il veut un dragon. Ouais. Un gros qui fasse toute la longueur de la cuve. D'accord. On en veut un qui soit terrifiant. Les dragons sont super intelligents, en fait. Dans certaines cultures, ils pensent que les dragons ont appris aux humains à communiquer, à parler. Comment tu sais tout ça sur les dragons ? J'ai lu tout ça sur Internet. Redneck, tu peux pas faire confiance à tout ce que tu lis sur Internet. C'est pas les dinosaures qui ont construit les pyramides ? Waouh ! Les filles, vous allez vous occuper de choisir les poissons pour cet aquarium. Erwin, l'aquarium ne passera pas par le portail d'entrée. Il va falloir qu'on utilise une grue. D'accord. Tout le monde sait ce qu'il a à faire ? Ouais. Ok, alors c'est parti. On n'a pas de temps à perdre. Notre infographiste, Burt, a dessiné plusieurs variantes de dragons chinois, et comme Steve habite à Vegas, on lui a demandé de passer et de nous dire ce qu'il en pense. Burt, je te présente Steve. Steve, enchanté, Burt. Steve. Burt est notre infographiste. On lui a demandé de nous dessiner deux dragons. C'est hallucinant. T'en as un qui se tient assez droit, un peu comme un cheval. Ouais. Et l'autre est plus près du sol. En position d'attaque. Ouais, en position d'attaque. Il a l'air un peu plus féroce. Alors que le premier est un peu plus, disons, passif, gentil. J'ai jamais entendu parler de dragon gentil. Je suis pas sûr que ça existe, un dragon gentil. Non, alors que les méchants... Ah ouais, alors... Ils existent vraiment ? Faut que je choisisse celui qui correspond à la façon dont je vois les dragons. Féroce, prêt à attaquer. Celui-là, il a la gueule grande ouverte. Les détails sont hallucinants ici. Ses ailes, sa position, son attitude. J'adore. On voulait également trouver l'expression idéale pour ton dragon. Alors on a demandé à Burt de dessiner trois têtes différentes avec trois expressions différentes pour que tu vois celle que tu préfères. Je crois que c'est celle-là qui me plaît le plus. Il a la gueule grande ouverte. J'aime son énergie. Après, maintenant que je vois les trois têtes, je me dis que ce qui serait énorme, ce serait qu'il ait trois têtes, ce dragon. Un dragon à trois têtes ? Oui, un dragon à trois têtes. C'est possible, ouais. On peut faire un dragon à trois têtes. Après, si c'est ça, vaudrait mieux oublier les ailes parce qu'il va pas y avoir assez de place dans la cuve pour les poissons et les ailes. Ouais, je veux que les poissons soient contents. Et trois têtes, ça sera encore plus fort que des ailes. Steve est content. On va pouvoir se mettre au travail. On va commencer par construire un aquarium rectangulaire de 3200 litres qui sera visible des quatre côtés. À l'intérieur de la cuve, un dragon à trois têtes fait sur mesure gardera les poissons d'eau de mer de Steve. Et pour finir, on entourera l'aquarium d'un habillage en noyer noir sur lequel on gravera le motif japonais symbolisant la chance.